comme quoi, ce n'est peut-être pas nous les plus affectés par le confinement. Les chiens aussi doivent prendre sur eux. À Atlanta en Géorgie, Bing Popa, le bulldog anglais âgé de 3 ans de Rachida Ely a, lui, bien du mal. Sur son compte Instagram et Twitter, on le voit en train de regarder des enfants jouer au basketball depuis leur terrasse du 6e étage et toute la tristesse du monde se lit sur son visage. Et pour cause, il ne demandait pas la lune mais en temps de confinement et de distanciation sociale, sa requête est impossible à réaliser. Et il a du mal à digérer la pilule comme on peut le voir à son regard dépité. Sa maîtresse, interviewée par Boré Panda, explique que sa tristesse a commencé pendant le confinement parce que Pop sortait habituellement jouer avec certains des enfants dans la cour tous les jours et plusieurs personnes le caressaient quand nous marchions hors depuis le confinement. Rien de tout cela ne se produit et il essaie d'attirer leur attention depuis le balcon, mais finit par être vaincu. Outre son chagrin, la jeune femme raconte que son chien est plus lent et dort beaucoup plus qu'auparavant, lui qui paraît d'habitude si heureux et ravi de la moindre interaction. Dès sa publication, la photo de Bing Popa triste est devenue virale, les internautes envoyant plein d'amour à l'animal à la grande surprise d'Eli. J'ai été très surprise, je me suis réveillée comme qu'est-il arrivé? Cela me fait du bien que Pop reçoive autant d'amour. Sur Instagram, le cliché de Pop a reçu plus de 50 000 likes et plus de 2500 commentaires. Encore plus sur Twitter puisqu'il a, en une seule journée, récolté plus de 650 000 likes. De quoi réconforter le pauvre bulldog. Sa maîtresse y met également du sien comme elle le détaille, je chante des chansons et je danse. Nous faisons des promenades supplémentaires. Je lui dis aussi de venir s'asseoir avec moi et lui donne à manger. Il adore être nourri. Comment s'occuper d'un vieux chien? Pour bien s'occuper d'un vieux chien, il faut bien comprendre ses besoins et adapter le mode de vie de l'animal en fonction. Voici tout ce qu'il faut savoir si votre compagnon à quatre pattes commence à prendre de l'âge. Alimentation, santé, exercice, les besoins d'un chien évoluent au fil des années. On ne s'occupe pas d'un vieux chien de la même façon que d'un chiot. Meilleure alimentation, conditions de vie de plus en plus confortables, visites plus régulières chez le vétérinaire, l'espérance de vie des chiens, comme celle des chats, ne cesse d'augmenter. Mais pour offrir une belle fin de vie à son fidèle compagnon, il est important de redoubler d'attention et de soins. Un vieux chien a besoin de routine. En vieillissant, le chien devient un animal de plus en plus routinier. Il est donc important de garder un rythme, des habitudes, et de ne pas les changer pour éviter de le perturber. La meilleure solution pour aider un chien âgé à mieux vivre son troisième âge est tout simplement la routine. Certains propriétaires tombent dans le piège du vieux chien raplapla qu'il faut laisser définitivement au repos. Malheureusement, ce n'est pas la bonne solution à adopter car dans l'esprit du vieux chien, ses repères journaliers se cassent rapidement, et très vite, l'animal se désoriente en laissant place à un stress permanent. Maintenir la jeunesse d'un chien vieillissant grâce au sport. Pour garder votre chien senior en forme, il ne faut pas négliger le sport. Bien sûr, il ne courra pas aussi vite et longtemps qu'il y a quelques années, mais ce n'est pas une raison pour le laisser ronfler dans son panier ou sur le canapé toute la longue journée. Faites des promenades moins longues, mais régulières, et continuez à jouer avec votre chien. Le jeu permet de lui faire faire de l'exercice de façon ludique, et de renforcer le lien entre le maître et le chien. L'alimentation du chien âgé. Un chien âgé se meut avec plus de difficultés, et les risques de le voir prendre du poids augmentent donc. On a tendance à gâter et donner plus de friandises à un chien lorsqu'il prend de l'âge. Mais ce n'est pas lui rendre service. Les friandises doivent rester exceptionnelles, et être données comme des récompenses. Quand on cherche à bien s'occuper de son vieux chien, on peut potentiellement couper les friandises en deux, ou en distribuer un peu moins souvent, quitte à préférer les caresses et encouragements verbaux. En outre, les besoins en calcium, fibres, phosphore, vitamines et protéines augmentent avec l'âge. Il existe des aliments spéciaux pour les chiens seniors. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Dans certains cas, il pourra aussi prescrire une cure de probiotiques à votre chien âgé pour renforcer ses défenses immunitaires.
Suggestions de nourriture adaptée pour un chien âgé. Un chien âgé est un compagnon toujours fidèle, qui ne demande qu'à vous accompagner encore et toujours. Mais il nécessite cependant des soins et des précautions particulières pour son bien-être. Des lieux adaptés pour se reposer, des activités en lien avec son âge, ainsi qu'une bonne alimentation comptent pour la longévité de votre animal de compagnie. Vous pouvez acheter tout le nécessaire pour prendre soin de sa santé et garantir son bien-être via les sites de vente en ligne qui disposent d'un rayon animalerie. Notre sélection de produits vous permet d'acquérir les références de grandes marques à des prix abordables. Nourriture pour chien, tous les produits. Bâtonnets de bœuf pour chien. Terrine saveur 3 variétés pour chien. Sac de bœuf séché riche en protéines. Friandise stick enrobée au poulet pour chien. Friandise morceaux de poulet. Surveillez la santé du chien âgé. Dentition en mauvais état, insuffisance rénale, qui constitue la seconde cause de mortalité chez le chien âgé, arthrose aggravée par la prise de poids et le manque d'exercice. Affection cardiaque et ophtalmologique, comme chez l'humain, les problèmes de santé se multiplient avec l'âge chez le chien. Il est donc très important de l'emmener chez le vétérinaire pour réaliser des bilans de santé réguliers. C'est finalement le conseil le plus important à retenir quand on cherche à bien s'occuper de son vieux chien. Il n'y a pas de secret, plus tôt les maladies sont détectées et traitées, plus vous avez de chances de pouvoir les soigner. Pour lui assurer une bonne qualité de vie, évitez de faire une fixation sur la vieillesse, sinon votre vieux chien ressentira votre anxiété. La meilleure attitude à adopter est de faire un check-up régulièrement chez votre vétérinaire. Veillez à modérer le rythme des exercices, promenades beaucoup plus courtes. Et pour son confort personnel, donnez-lui un couchage plus confortable et des préférences dans un lieu calme à température ajustée sans pour autant changer ses habitudes.